Thank you.
vous montrer ce qui manque. Tu vois, les femmes sont les vampires des artistes. Très beau tableau, ça. Vampire. Mais les mondes résistent à la fiction. Allô? Bonjour. Ouais. C'est une pièce que j'ai fait à Orléans, sur le bord d'une nationale. C'est une œuvre, c'est pas une sculpture, c'est un lieu, c'est une maison qui s'appelle... a changé de titre plusieurs fois, c'était la chambre d'amour, puis en fait je préférais la maison close. Donc c'est un lieu fermé, et c'est un lieu qui palpite comme ça, avec la lumière, une lumière de la maison est éclairée de temps en temps, c'est jamais quand, toute une nuit. Et le spectateur qui... la relation qu'il y a en fait avec l'environnement des personnes qui habitent autour, c'est pour moi une volonté aussi de peut-être créer une petite légende de cette maison close qui, de temps en temps, s'allume. Et... Oui, les titres, oui, ça, moi j'ai énormément de mal à donner des titres pour des pièces, mais j'ai beaucoup plus de facilité à donner des titres pour des séries, au fond. Parce que comme si, au fond, chaque titre d'une série ou d'une exposition, c'est une espèce d'enchaînement de l'un par rapport à l'autre,
comme sédimentation, stratification. Donc on partait de un monde à la fois, du lent retour, quelque chose manque, aux dernières photographies de lac, que j'ai donné ce titre un petit peu abstrait, énigmatique, LP. LP, c'est long playing, comme les disques noirs, vinyles. C'est une façon aussi de se confronter aux CDs de l'électricité de la nouvelle musique. LP, c'est plus sexy, non? Et puis bon, c'était long playing, l'ex-photograph, lost paradise, and last photograph, maybe. I don't know. Non, je passe toujours la même erreur, j'ai toujours l'impression que je vais arrêter de faire des photos et je continue. C'est un peu la colonne vertébrale comme ça. Voilà. À bientôt. Au revoir. Lost paradise. Chambre d'amour. Ouais. Pour personne, la maison est close. Je voulais donner la clé. La clé soit donnée à quelqu'un dans la ville une fois de temps en temps, ça aurait été drôle, ça, pour avoir accès comme ça à la maison. Non, elle est fermée. Et je sais même pas moi quand est-ce qu'elle s'allume. C'est un ordinateur qui l'allume de temps en temps. Moi j'aime bien les sirènes par exemple. Tous les mois à midi, le premier jeudi du mois, les sirènes sonnent dans toute la France. Et cette stridence, j'aime la voir pour le promeneur qui est là, qui d'un coup voit la maison s'allumer. Comme quelque chose qui vient comme ça lui dire, l'attirer. Non pas l'œuvre d'art, mais lui dire voilà, il y a quelque chose que tu as, qui est pour toi. Pas se mettre devant l'œuvre, mais à côté de l'œuvre. Que l'œuvre attende le temps de l'autre. Que l'autre puisse se mettre avec l'œuvre, ce qui aide à vivre, ce qui remplit le manque, si tu veux. Ou l'entre-deux. Et d'être dans cette... l'art devrait servir, ou me sert à moi, dans cet équilibre instable qui m'amène à aller vers l'autre, et être dans cet équilibre instable qui amène, comme dit Antonioni, vers cet équilibre parfait qui est l'amour. Un monde à la fois. Oui, c'est le monde de tout le monde. Et c'est qu'il n'y a qu'un monde, au fond. Et cet homme qui est en train de mourir, très, très célèbre, et qui était un grand humaniste, on lui demande, mais tu dois être curieux de pouvoir de mourir et de dire qu'est-ce qui va se passer après. Et il répond, mais un monde à la fois. A world at a time. Quelque chose. Tu as vu ça? La femme vampire. C'est un beau tableau, hein.
La peinture. Last paintings. Qui résiste à la fiction. Last paintings qui résiste à la fiction. Qui résiste, résister. L'artiste résiste. Cet artiste doit résister, mais doit faire en sorte de rafraîchir, d'être en faire relation, des relations constantes avec le monde. C'est une constante tension. Je parlais de stridence tout à l'heure. Il y a comme le papillon qui est fixé dans sa boîte. Les œuvres d'art sont comme des papillons, comme une espèce de mouvement de la vie qui donne une espèce de douleur un peu exquise. La douleur exquise, comme ça. Pour moi, une œuvre d'art, c'est ça. La douleur exquise. La souffrance. Non, une vraie tension. Le plus je vais dans la vie, plus je m'aperçois que le plus ma vie va mal, moins plus mon travail va mieux, et inversement, plus si ma vie va bien, mon travail va plus mal. Alors c'est une clepsydre, tu vois. Alors, tu sais pas dans quel sens le tourner, parce qu'au fond, qu'est-ce qui vaut mieux? Voilà. À bientôt. Au revoir. Lost Paradise. Chambre d'amour. Oui. Pour personne, la maison est close. Je voulais donner la clé à ça. Que la clé soit donnée à quelqu'un dans la ville une fois de temps en temps, ça aurait été drôle, ça, pour avoir accès comme ça à la maison. Non, elle est fermée. Et je sais même pas moi quand est-ce qu'elle s'allume. C'est un ordinateur qui l'allume de temps en temps. Moi j'aime bien les sirènes par exemple. Tous les mois à midi, le premier jeudi du mois, les sirènes sonnent dans toute la France. Et cette stridence, j'aime la voir pour le un promeneur qui est là, qui d'un coup voit la maison s'allumer. Comme quelque chose qui vient comme ça lui dire. Non pas l'œuvre d'art, mais lui dire voilà, il y a quelque chose qui est pour toi. Pas se mettre devant l'œuvre, mais à côté de l'œuvre. Que l'œuvre attende le temps de l'autre. Que l'autre puisse se mettre avec l'œuvre, ce qui aide à vivre, qui remplit le manque, si tu veux. L'art devrait servir, me sert à moi, dans cet équilibre instable qui m'amène à aller vers l'autre et être dans cet équilibre instable qui amène, comme dit Antonioni, vers cet équilibre parfait qui l'amène. Ah.
un monde à la fois. Cet homme qui est en train de mourir, très, très célèbre, et qui était un grand humaniste, on lui demande, mais tu dois être curieux de pouvoir de mourir et de dire qu'est-ce qui va se passer après. Il répond, mais un monde à la fois. A world at a time.